Hello, j'espère que vous allez bien. Je commence ce nouveau vlog, on est le vendredi 11, on est un peu tard dans la semaine. Je vous ai posté hier le vlog 5, donc du coup là c'est le sixième vlog. Il est tard, enfin tard. En gros il est commencé assez tard parce que j'ai pas eu trop le temps de le prendre cette semaine. Autant j'avais pas un rythme folichon cette semaine, comme je disais mon copain est parti faire des sauts en parachute. Enfin, faire une formation de saut en parachute, machin, etc. Et donc, du coup, on a parlé beaucoup par message, donc je n'avais pas la concentration pour lire. Mais bref, il est toujours dans sa formation, donc je le laisse tranquille. Je prends le temps, du coup, de vous prendre pour vous parler un peu de mes lectures, ce que je vais lire ce week-end, que vous allez voir, du coup, en vlog. Je sais que je vais avoir un rythme plutôt assez lent là ce week-end, sachant que moi, je ne fais pas le tronc. Bon, je travaille lundi. Voilà. Bref, je voulais vous dire que niveau lecture, celui qui m'a accompagné toute la semaine pour le moment, c'est le Lore de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus que je lis en lecture commune avec lui. Je suis à peu près à 75% voilà, de la lecture. C'est un ennui. Vraiment, je m'ennuie beaucoup dans ce titre. On est d'accord avec lui, il vient de le terminer, elle l'a terminé tout à l'heure, elle est en vacances. Mais clairement, je m'ennuie beaucoup dans ce titre. Le concept était plutôt cool, l'idée était assez intéressante, mais je sais pas, il manque quelque chose, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, on en a parlé avec lui, mais il manque quelque chose. Les personnages sont pas attachants, l'héroïne est un peu chiante, pourtant, il y a tout pour me plaire dans ce titre, c'est-à-dire qu'on mélange un Hunger Games avec du Percy Jackson. En gros, on va suivre Laure, qui est une jeune fille qui vit sa vie tranquille et qui essaye d'éviter certaines choses dans un monde où il y a une sorte de jeu survival game qui s'appelle Lagoon, qui est en fait la possibilité pour sept familles descendantes de héros de la mythologie grecque de pouvoir devenir des dieux en tuant les dieux originels. Laure, elle a décidé de ne pas prendre part à cette Lagoon parce que dans le dernier Lagoon, quelque chose s'est produit et a fait qu'elle a perdu tout espoir. Donc elle essaie de rester loin de ça, sauf que malheureusement, Lagoon est à ses portes et il commence à y avoir un peu des gens qui la recherchent, on ne sait pas pourquoi, et elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va la pousser à participer à cette Lagoon. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de facilité dans ce roman, de ce que j'ai lu, parce que, en gros, heureusement que. C'est ce que j'ai dit à Lully, hein, je fais heureusement que Laure connaît tout le monde, parce que sinon l'histoire serait bien embêtée pour avancer. Voilà, Laure, elle connaît vraiment tout le monde, donc du coup, ça lui permet de bien avancer. On a quand même un peu de mystère, on a un peu envie de savoir quand même, on a envie de savoir la fin. Enfin, moi, j'ai envie de savoir la fin, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est ennuyant. Heureusement, c'est un one-shot. Bien heureusement, parce que ça aurait été une saga, je l'aurais abandonné. Mais ouais, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas quoi dire. Il y a quelque chose qui va pas. Déjà, il y a des problèmes de traduction. J'ai encore vu des phrases qui étaient mal construites et qui fois m'ont sorti du roman. J'ai encore vu des fautes. C'était l'époque où de Saxus c'était pas clean clean encore. Même si je pense que dans les derniers, il y a toujours des trucs qui se cachent, mais ça fait quoi que ça fait un moment que j'avais pas relevé des fautes de syntaxe. Donc ça va quand même, ils se sont améliorés. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments, je sais pas, j'ai pas l'affect pour les personnages. Comme on disait avec Lully, peut leur arriver quelque chose, ça nous importe peu, c'est un peu dommage parce qu'on est quand même dans un survival game, donc on devrait un peu s'inquiéter pour des personnages. Il y a des scènes assez hard par moment, mais. Vu qu'on n'est pas attaché au personnage, bah ça nous fait rien en fait. C'est ouais, c'est en demi-teinte, c'est une lecture en demi-teinte si je puis dire. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais là je suis ouais, un peu déçu. Je vais aller au bout quand même pour qu'on puisse débriefer avec lui. Je pense pas que je finirai ce soir ou demain, mais je finirai dans le week-end. Donc c'est un de mes objectifs de lecture de ce week-end. J'ai pris un audio qui n'est pas du coup les Chevaliers d'Émeraude tome 8. En gros, je vous explique. J'ai acheté les Chevaliers d'Émeraude tome 8 au début du mois en me disant que de toute façon, vu que j'avais mis 3 crédits audio, c'était bon, j'achète mon Chevalier d'Émeraude et je lirai mon Chevalier d'Émeraude la semaine d'après. Sauf qu'hier, je reçois un message de Audible qui me dit votre crédit audio a été crédité sur votre compte. Je me dis, bah, c'est un mail à retardement, ils se sont courés et tout. Et en fait, je vais sur l'application Audible et en effet, j'ai 3 crédits audio à nouveau.
Je ne sais pas si cette règle existe toujours, mais dans mes souvenirs, quand j'avais lu les conditions générales d'utilisation d'Audible il y a quelques années, on était limité à 3 crédits audio. C'est-à-dire que si le mois d'après, on avait 3 crédits audio et qu'on ne l'avait pas dépensé, on perdait ce crédit audio en gros. Donc en gros, on peut avoir 3 crédits audio au max en banque. Donc pour éviter ça, j'ai pris un audio hier quand j'étais en train de faire mes 10 km. Et du coup, l'audio que j'ai pris, c'est Ahsoka, donc de Star Wars. Je vais sûrement aller en librairie demain, donc je le prendrai en papier, vu que demain j'ai ma maman qui vient et on va sûrement faire un peu des tours de librairie, des tours de magasin et tout. Donc voilà, on va sûrement faire ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, je lis Ahsoka, donc je ne sais pas de qui vous dire, mais c'est Star Wars, c'est édité chez Pocket. Pourquoi j'ai pris Ahsoka? Parce que j'ai vu qu'il allait y avoir la série sur Disney+ qui allait sortir. Et j'ai vu que Pocket conseillait de lire certains titres avant d'attaquer la série, dont Ahsoka, pour savoir où ça en est. Donc là, actuellement, je l'ai écouté, j'ai écouté 1 heure à peu près. En gros, on est juste après l'Ordre 66, pour ceux qui ont vu les films, c'est l'Ordre qui a décimé l'Ordre Jedi. Ahsoka a survécu, elle est en exil sur la planète, et on est 1 an après cet ordre, l'Empire s'est installé sur pas mal de planètes. Ils commencent leur vague un peu de menaces, et on va suivre Ahsoka qui va, je suis vraiment pas loin, hein, j'ai écouté qu'une heure, elle va vivre paisiblement sur une planète, voilà, elle essaye de fuir l'Empire. En gros, au début on commence à aller sur une planète et elle prend la fuite parce que l'Empire s'installe sur cette planète et qu'elle ne veut pas être repérée. Il y a un putain de moustique qui tourne autour de moi là, il a juste une envie, c'est de se faire son petit 4 heures. Je crois que je l'ai pas eu ce bâtard. Bref, voilà, il veut faire son petit 4 heures, mais j'aimerais ne pas être son 4 heures, sachant qu'il est quasi 6 heures passées, donc je ne veux pas être son 4 heures, ni son repas du soir. Voilà, pour Ahsoka, donc voilà, ça s'écoute bien. De toute façon, je vais le prendre en papier demain, donc comme ça je pourrais vous le montrer en papier. Je sais même pas qui est l'autre, je sais juste que c'est chez Pocket et que c'est du Star Wars et Ahsoka. Voilà, ils conseillent après de lire Throne, donc je lis en papier, donc peut-être que je le lirai. Alors, le problème de Throne, c'est que ce titre, j'aurais voulu le lire après avoir lu La Légende. Le Star Wars Légende, mais bon, je continuerai le Star Wars Légende plus tard parce qu'après, avec Lully, on a prévu une autre lecture commune, encore deux lectures communes avec Lully, donc j'espère avoir le temps de lire Star Wars aussi. Mais soit j'en fais pas, au pire, l'autre lecture ça sera en numérique parce que c'est pour le pli, c'est le reflet brisé. Et donc, je me dis que quand je lirai en numérique, quand je voudrai lire du papier, je lirai le soir La Croisade Noire du Jedi Fou. Voilà, j'ai d'autres lectures prévues pour ce week-end. Comme d'hab, j'ai mes deux Jojo hein, que je lis en lecture commune avec Lully. On a le tome 15 et 16, donc c'est l'avant-dernier week-end où on en a, parce qu'après le dernier sera le 17. Donc voilà, je me suis prévu ces deux Jojo et je me suis prévu aussi Destiny of X. Donc voilà, le volume 7, ça serait bien. Je me suis dit que ce serait bien que je reprenne les comics. Étant donné que je n'ai plus de My Hero Academia à lire, je me dis que je peux me permettre de lire ça. Donc ça fait que j'ai ces trois titres, ces trois graphiques ce week-end. Donc continuer à lire des graphiques. Surtout que en plus je triche un peu parce que celui-là est déjà commencé. Mais bien de commencer, je pense. Donc au pire, voilà, je finirai ces trois graphiques ce week-end. J'ai reçu, en parlant graphique, comme vous savez, tous les mois je fais ma collection Marvel Origins. Donc j'ai reçu le tome 26, donc qui est Thor, tome 5, 1964. Et Fantastic Four numéro 8, 1964, Marvel Origins. Dans celui-là, on a les Fantastic Four 32 à 36, chapitre 32 à 36. Et là, on a les Journées Into Mystery 111 à 115. Donc voilà, c'est du vintage hein, au niveau des dessins. Voilà, donc ça, c'est les Thor. J'ai un peu de retard parce que j'ai lu que les 10 premiers numéros et ça serait bien que je lise la suite. Mais comme je vous disais, en fait, avant, je les lisais le dimanche. Là, je vais reprendre ça. À partir de septembre, je pense que je vais essayer de reprendre le rythme d'en lire un tous les dimanches soirs pour avancer ma palle. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller un peu marcher là parce que j'ai pas encore fait tout à fait mes pas. Donc je vais sûrement écouter Ahsoka. Et ce soir, je vais peut-être un peu avancer l'or tranquillement, sans prise de tête. Ou alors je continuerai l'audio et l'or, je le reprendrai demain matin. J'aimerais aussi quand même lire un Jojo un peu d'ici que je vois vraiment.
Voilà, je sais même pas si on a un truc de prévu samedi soir avec mon copain. Mais bref, voilà, c'est un peu mon planning pour le moment. Et puis, ce sera pas mal. Ce sera pas mal dans tout ça. Ouais, ce sera pas mal. Je pense qu'on va rester sur ça. Je vais clôturer cette première partie. J'ai pas grand-chose à vous dire. Si sur Instagram, j'ai publié mon avis sur le tueur intime. Et demain, je vais publier mon avis sur Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Étant donné que j'avais écrit les deux chroniques mercredi, donc je me suis dit que j'allais en publier une jeudi et une samedi. Et comme ça, le lundi, je réécrirai d'autres chroniques ou je réécrirai mercredi d'autres chroniques. Et je les publierai jeudi et samedi. Je trouve que c'est pas mal, vu que le mercredi midi, j'ai un peu du temps parfois pour écrire des chroniques. Je me dis que ça peut le faire. Voilà. Je vais sûrement aller me faire mes pas et écouter mon audio, comme je vous ai dit. J'ai pas d'autres choses à vous dire. J'ai reçu mon lecteur vinyle. Donc, du coup, des fois, quand je mange ou quand je rentre du boulot, je me mets mon petit vinyle, je m'écoute ma petite musique, ça me fait du bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. C'est déjà pas mal, en soi. Tout ce que je vous ai dit, j'ai pas besoin de plus. C'est déjà beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage pour ce vlog. Je tiens à vous remercier pour ceux qui sont fidèles et qui viennent à chaque fois regarder ce vlog, qui commentent et tout. C'est toujours un plaisir de vous lire. J'ai répondu à tous les commentaires aujourd'hui d'ailleurs, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, donc j'ai pris le temps de répondre à tous vos commentaires. Ce qui est normal en soi, hein, que je prenne le temps de vous répondre. Vu que vous prenez le temps de me regarder, je peux évidemment prendre le temps de vous répondre. J'ai fait quoi d'autre? Donc je vous ai dit pour Insta, je vous ai dit pour YouTube. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine quand vous lirez, quand vous verrez ce vlog. Sûrement un très bon week-end parce que vous l'aurez sûrement le jeudi. Et moi, je vais essayer de vous prendre ce soir, demain soir et dimanche soir. Si j'arrive à faire ça, ça fera un petit vlog. Si je vous parle à chaque fois 10 minutes, ça fait un vlog d'une demi-heure, c'est pas mal, je trouve. Après, il faut que j'ai des choses à vous dire aussi, hein. Je pars du principe que si je fais un vlog et que c'est juste pour vous parler de ma vie, qui ne forcément ne vous regarde pas tout le temps, ça serait cool quand même que je vienne pour vous parler lecture. Donc là, j'avais des trucs à vous dire parce que j'allais commencer le week-end avec des graphiques. J'étais déjà à 75% de l'or. J'avais commencé mon audio, donc j'avais des choses à vous dire. Demain, je pense que du coup, il risque d'avoir un ou deux achats vu que je vais aller avec ma maman en librairie et tout. Donc je vous parlerai sûrement de cela. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis encore au cas où, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, sur ce, à toute pour vous et pour moi, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est assez tard, on est lundi. Je vous ai pris que vendredi soir, je crois. Je vous ai pas pris samedi, je vous ai pas pris dimanche. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas eu le temps et que j'avais pas lu grand-chose. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien de vous prendre si je n'avais rien lu. J'ai quand même fini mes deux mangas Golden Wind, donc le tome 15 et le tome 16. Il nous reste que le tome 17 à lire avec Lully. Donc voilà, on aura bien avancé, je pense, au niveau de Jojo. On l'aura fait en 2 mois à peu près. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, que voilà, ça permet de bien qu'il ait une saga de manga, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai fini Lore d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Ça a été laborieux, très très laborieux. J'ai eu beaucoup de mal à finir. Je trouve que la fin, en plus d'être longue et bâclée, on a beaucoup de non-réponses, on a beaucoup de choses qui semblent illogiques par rapport à l'univers, j'ai trouvé. Heureusement que c'était un one-shot parce qu'il y aurait eu un tome 2, je n'y serais pas allé. J'hésite vraiment du coup à prendre le prochain truc qui vont sortir de l'autrice. Comme on disait avec Lully, on est étonné parce qu'en vrai il y a tout pour que ça marche et ça ne marche pas. Et on n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi ça ne veut pas marcher. Parce qu'en soi, tout est bon pour que, comme je dis, tous les ingrédients sont là pour que ça marche. Et à croire que c'est nous qui sommes relous et qui n'arrivons pas à se laisser prendre, mais tout ce que j'ai eu en commentaire
commentaires qui l'ont lu m'ont dit qu'ils avaient abandonné eux aussi. Donc je sais pas. C'est vrai qu'il y a tous les éléments pour que ça marche. Il y a la mythologie, il y a le côté Hunger Games qui est censé nous rendre addictifs, qui est censé nous rendre aussi l'envie de s'attacher au personnage. Mais on s'attache à aucun personnage. Je me suis attaché à aucun personnage, je me suis inquiété pour aucun personnage. J'ai l'impression en fait que tout était écrit d'avance, en fait, que on lisait la chose. Certes, il y a eu quelques éléments surprenants, mais ils n'ont pas fait. Voilà, ils n'ont pas fait le truc pour que ça donne envie de continuer, quoi. Donc je reste sceptique de mon point de vue. Excusez-moi, je suis en train de jouer Hearthstone en même temps. J'avais oublié que j'avais lancé une partie pendant que je faisais le vlog. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en vrai, il y avait des choses à faire. Voilà, il y avait tout pour que ça marche. Mais tout était écrit d'avance. En fait, dès le début, on se doutait de comment ça allait finir. Je m'attendais quand même à avoir plus de réponses sur certaines choses. On n'a pas eu. Il y a certains trucs qui sont pas clairs. C'est flou. Il y a eu des problèmes de traduction encore. Je pense que je l'avais déjà dit, mais là, on l'a senti quand même vers la fin. Il y a vraiment des problèmes de traduction. Ça manque de relecture, j'ai l'impression. Voilà. Je l'ai lu quand même, parce que ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle. Je crois que ça faisait quasi 2 ans que je l'avais dans ma palle. Donc je l'ai lu, c'est chose faite. J'en suis débarrassé. Je pense qu'il va finir sur Vinted. Voilà, donc à voir par la suite ce que ça donnera pour d'autres romans de Saxus. Je crois qu'on a prévu Skyhunter pour le mois prochain avec Lully, donc de Marie-Lou. Lully connaît l'autrice, elle a beaucoup aimé une autre œuvre de l'autrice, donc peut-être que ça le fera plus que celui-là. On verra, on verra, on verra. Ensuite. J'ai donc vu ma maman m'a acheté un vinyle, le vinyle 30 de Adèle. Donc autant vous dire que je suis heureux parce que c'est mon album préféré, je pense, de tous les temps. C'est celui que j'ai eu le plus de. Même Ariana Grande m'a pas su me mettre autant d'accord avec autant de ses musiques. Même si je trouve que là, le vinyle est un peu mal fait parce qu'ils ont vraiment fait 2 disques alors qu'en vrai, tout aurait pu rentrer dans un seul, mais je sais pas pourquoi ils ont fait 2 disques. Mais bon, ils ont étalé les chansons sur 2 disques 4 faces. Donc du coup, bah, c'est un peu chiant quand on écoute la musique parce que du coup, faut souvent retourner le vinyle. Mais bref. Et donc du coup, on a fait le tour en ville. Évidemment, j'ai craqué pour des livres. Ça ne serait pas moi si je n'avais pas craqué. J'ai d'abord craqué pour Death Troopers de Star Wars, donc de Joe Schreiber aux éditions Pocket, c'est dans l'univers légende. Voilà, j'avais envie. En ce moment, je suis dans une vague Star Wars, hein. On va pas se cacher, c'est un peu le côté HPE, HPI qui fait ça. Les HPE, les HPI, si vous voulez, ils ont des moments de grande passion. Je sais pas comment on appelle ça réellement le terme, mais quand on est focus sur quelque chose, on veut tout savoir sur cette chose. Et donc, du coup, voilà, je me suis remis aux jeux vidéo Star Wars, je me suis remis aux films Star Wars, je me suis remis aux séries Star Wars et je me mets aux bouquins Star Wars. Alors là, on est dans un truc un peu spécial. Je crois qu'il n'est pas daté de quand est-ce que ça se passe. Mais on est dans un vaisseau qui est une prison qui transporte les pires criminels de la galaxie. Sauf que ce vaisseau va tomber en panne. Et ils ont envoyé un message de détresse. Et un autre vaisseau est venu pour les aider. Sauf que l'équipe qui est allée dans ce vaisseau a rencontré quelques petits soucis. Et donc, en gros, on va partir sur une invasion de zombies, en fait, hein. Je vais pas passer par quatre chemins. On est clairement sur une invasion de zombies dans l'univers de Star Wars, que je trouve du coup très fun à voir ce que ça pourrait donner. Voilà, donc ça pourrait être parfait pour le mois d'octobre, par exemple. J'ai pris du coup mon e-book en cours, mon audiobook en cours, donc Ahsoka de donc, Star Wars aussi. Donc là, c'est pas l'univers légende, hein, c'est l'univers canon. Pour ceux qui se demandent, en gros, l'univers légende, c'est tout ce qui est arrivé et qui était avant le rachat de Disney. Et l'univers canon, c'est tout ce qui est après le rachat de Disney, qui est dans les. En gros, ils ont gardé les films et les séries. Mais tout le reste, ils ont mis en univers canon. Donc voilà, on a donc Ahsoka de Ika Johnston aux éditions Pocket. Donc je le fais en audio. Je l'imaginais beaucoup plus gros vu la durée de l'audio, mais non, il fait à peine 300 pages, je crois. J'ai cru voir 311 pages. Donc en vrai, il est tout petit, tout petit, tout petit. Mais bon, ça peut faire largement l'affaire.
Et ensuite, j'ai pris un autre petit livre, j'ai pris L'inconnu de Clive Lang de Thibaut Trace. Donc cette fois, on est en Ohio, on va suivre un homme qui est retrouvé dans son bain, je crois, qui s'est suicidé. Et en gros, quand ils vont faire son empreinte, ils vont se rendre compte que l'identité qu'avait ce vieux monsieur était en fait un enfant qui était mort il y a plus de 20 ans, je crois. Donc évidemment, il va falloir savoir qui était ce vieux monsieur qui se faisait passer pour cet enfant mort. Voilà, je ne veux pas trop en dire parce que c'est très facile à spoil, hein, ce genre de livre. Hein. Ça fait de même pas 200 pages, donc j'essaye un peu de délaguer rapidement. On va voir ce que ça donne. Donc moi j'avais beaucoup aimé les deux précédents, donc il y avait l'affaire Alice Crimmins qui était écrite par Anaïs Renévier et l'autre c'était l'affaire du Golden State Killer qui était écrite par William Thorpe. Ils sont écrits ici, hein. Pour Alice Crimmins je l'ai fait de tête mais pour William Thorpe je l'ai fait comme ça. Qu'est-ce que je voulais en dire? Ah oui, les deux premiers, j'avais beaucoup aimé. Je les avais fait dédicacer au Quai du Polar. Je les ai prêtés à ma mère. Elle ne les a toujours pas rendus. Je pense qu'elle est toujours en train de les lire. Excusez-moi. Je range ma chambre, si je puis dire. Hop. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. L'inconnu de Cleveland. J'ai bien envie de découvrir. Ça se lit vite. Hein. Ça peut se lire en une après-midi. C'est écrit assez gros, c'est bien espacé. Voilà, ça fait un true crime comme je les aime. Actuellement, donc du coup, vu que j'ai fini l'or, j'ai mon audio sur Ahsoka. Je suis aussi en train de continuer ma grosse pavasse, mon gros bébé, donc la croisade du Jedi Fou. Donc c'est l'intégrale. Je suis. Voilà. Et je suis en train de lire le deuxième tome. Et je suis quasiment à la moitié du deuxième tome. J'aime beaucoup, comme je disais, c'est ultra fluide. Je pense que c'est le mieux pour commencer l'univers Star Wars. Vu qu'on a déjà les personnages qui sont Leia, Han et Luke, on est dans une saga assez addictive en plus. Voilà, hein, ils affrontent le grand amiral Thrawn qu'on découvre pour la première fois normalement dans ce titre. Donc voilà, ils sont en train de l'affronter, ils sont en train d'affronter les vestiges de l'Empire. Il y a un côté politique aussi, parce qu'évidemment, la Nouvelle République, elle est en train de se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose voilà, qui se met en place en claquant des doigts. J'aime beaucoup, ça se lit bien, c'est fluide. Pour tout vous dire, j'ai fait une insomnie hier soir et c'est ce qui m'a accompagné. En gros, j'ai lu quasi 150 pages hier soir parce que j'arrivais pas à dormir. Donc voilà, pour moi c'est du très positif dans l'ensemble cette histoire. J'aime beaucoup l'idée qu'ils ont eue au niveau du scénar de faire quelque chose comme ça. Et puis quoi vous dire d'autre à part lisez-le parce que vraiment c'est original, c'est fluide et ouais, je sais pas, j'aime beaucoup l'idée d'avoir ça. Donc j'essaie de pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2 en soi, hein, je suis dans le tome 2. J'espère faire cette intégrale sur tout le mois d'août comme je vous ai dit, là on est à peu près on est le 13, 12 ou 13, je sais jamais, août, 14. Bref, on est mi-août quasiment et je suis quasiment à la moitié de l'intégrale, donc je suis plutôt bon sur ça. Je me suis mis sur cette intégrale parce que Lully, elle était en train de lire Christian Jacques le temps qu'elle m'attendait sur l'or et que de toute manière, je lui ai dit pas de pression pour finir son Christian Jacques, que de toute manière, moi, j'allais continuer Star Wars et que ça me dérangeait pas de le mettre en pause pour commencer le reflet brisé pour le Plib qui, elle, sera sa dernière lecture du Plib et moi, il me restera encore. Le chant des géants, qui est celui qui me fait le plus peur. Voilà, c'est pour ça que je n'y vais pas. En fait, il me fait très peur. Je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si on a le droit d'abandonner les livres du jury. Parce que vraiment, je sens que c'est un roman atypique. On va pas dire le contraire. Mais je sens aussi que c'est pas une plume fait. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le sens pas. Je le sens pas du tout, ce livre. Mais ça n'est que mon avis. Voilà. J'avais à vous dire pour cette partie-là, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai surtout été pas mal coupé. Ah oui, j'ai pas lu mon Destiny of X. J'étais pas dans le mood ce week-end. De toute façon, ce week-end c'était assez compliqué. Voilà, c'était assez compliqué. Je rentrerai pas plus dans les détails, mais du coup, bah, je le lirai la semaine prochaine. Voilà.
Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je ne sais pas si du coup j'aurai assez de contenu pour le faire entrer pour le vlog de jeudi. Si je vois que j'ai pas assez de contenu, j'essaierai de trouver une autre idée de vidéo à vous mettre pour jeudi, pour que la semaine d'après vous ayez un vlog un peu plus long, donc du coup de 2 semaines. Peut-être. Ah ben, je sais pas, je réfléchis encore. On verra bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis peut-être, enfin forcément à tout à l'heure, enfin vous à de suite et pour moi à plus tard. Bye. Hello. Alors c'est pour la dernière partie de ce vlog. On est mercredi. Je suis ultra labour pour la dernière partie d'un vlog qui doit être uploadé demain, hein, qui doit être uploadé pour demain et demain soir. Mais passons. On va se dire que ça va passer vite, que ça va marcher, que vous l'aurez demain soir. Bilan rapide. J'ai terminé le tome 2 de la croisade du Jedi Fou. C'est pour ça que j'ai enlevé le post-it parce que du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si je sais, mais je sais pas ce qui s'est passé pour vous. En gros, mon téléphone m'a annoncé qu'il a plus de 20% de batterie. Donc, je disais la croisade noire du Jedi Fou. J'ai lu le deuxième tome sur 3, donc j'espère finir le troisième tome ce mois-ci toujours. J'ai toujours beaucoup aimé, c'est très fluide. Et comme je disais à lui, ce qui m'étonne, c'est que genre j'ai fini le tome, je l'ai laissé un peu décanter, et puis après j'ai repensé, je fais, mais il s'est pas passé grand-chose dans ce tome en fait. Il y a juste une petite suite de plein de petites péripéties qui apportent pas grand-chose à l'histoire en soi, mais qui vraiment ont donné un coup de boost à l'histoire, ont apporté des choses qui du coup font ce sentiment que le livre se lit vite, se lit bien, mais en retour en fait on se dit, bon il y a juste ces deux trucs qui ont changé depuis le... Enfin peut-être ces trois trucs qui ont changé depuis le début du tome 1 en fait, hein, depuis la fin du tome 1. Mais voilà, j'étais bien dans l'univers, je l'ai bouffé en 3 jours, parce que je l'ai commencé dimanche soir et je l'ai fini mardi matin, donc pour vous dire à quel point je l'ai bouffé, j'ai adoré, voilà, j'ai hâte de lire le troisième tome pour finir cette saga. Sachant que je pense que je vais acheter l'Académie des Jedi, donc qui est les tomes qui suit, des Graals qui suit celui-là. Parce que entre les temps, j'ai vu qu'il y avait un autre titre entre ces deux titres, mais c'est les X-Wing, le tome 8. Ils sont pas trouvables actuellement, à part en occasion, à des prix frôlant, des prix. Voilà. Et après, c'est l'Académie des Jedi. Donc j'ai pris l'Académie des Jedi. Je me dis, c'est pas grave, je ferai un pas sur le X-Wing et on verra si j'ai perdu beaucoup de choses par rapport à ça. Sachant qu'il y a entre les deux titres, il y a 2 ans qui se sont passés. Donc il va y avoir forcément autre chose. Il va y avoir de nouvelles histoires. On verra quand je lirai ce titre plus précisément. Voilà, ensuite, j'ai continué Ahsoka, j'ai pas plus avancé que ça, je crois que j'ai lu 2 chapitres, 3 chapitres hier. Écoutez, 3 chapitres hier. Ça s'écoute toujours aussi bien, il se passe pas grand-chose. Je sais pas si je vais le continuer en audio, si je vais pas tenter de le finir en papier, parce qu'en vrai, il est tout petit. Donc voilà, à voir si j'ai le temps. J'ai commencé Le Reflet Brisé de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. C'est une réécriture de conte, je vous en parlerai un peu plus dans le vlog prochain. J'en suis déjà à 70%, je crois, hein, 69% d'après la liseuse. C'est pour le Plib. Tu vas m'afficher la couverture, oui. Voilà. C'est pour le Plib 2023. Je lis en lecture commune avec Lully. Donc je vous disais, c'est une réécriture de conte. De toute façon, si vous comprenez le titre, Le Reflet Brisé, vous savez de quel conte on va parler. Mais voilà, je vous en parlerai plus dans le vlog prochain. J'ai fait sur Insta un sondage. Un sondage. Pour savoir laquelle chronique je publie entre les créatures de bronze. Donc je vais faire une chronique sur la trilogie, même si j'avais déjà fait une chronique sur le tome 1, là j'ai voulu faire une chronique sur la trilogie. Ou sur l'or, j'ai écrit ces deux chroniques et je vous fais choisir laquelle vous voulez demain. Mais de toute façon, pour vous, ça ne changera rien parce que vous l'aurez eu ce soir. Vous l'aurez eu en même temps que le vlog. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. J'essaie d'écrire 2 chroniques tous les mercredis. Et tous les mercredis, et je vous fais voter pour l'un et l'autre à la chronique qui apparaît le samedi ou lundi si j'ai le temps. Voilà. Si j'ai pas le temps, elle apparaît le lundi. Si j'ai le temps, je vous la fais apparaître le samedi. Mais voilà, donc soit il y aura l'or, soit les loups dorés en chronique sur mon compte Insta ce week-end. J'ai 2 livres audio que je veux à tout prix lire ce mois-ci. Le tome 8 des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, donc les dieux déchus, je vous en parle pas, j'en ai assez parlé dans les précédents vlogs où j'en ai fait beaucoup en audio. J'aimerais vraiment le commencer assez vite et le finir assez vite.
pour être à jour sur mon challenge, voilà, de 1 tome par mois. Et le deuxième audio que j'aimerais terminer, c'est Bernard Minier. Je ne cherche pas pourquoi il y avait du post-it, c'est avant quand je me donnais des objectifs d'audio. N'éteins pas la lumière, c'est le troisième tome de la saga de Servaz. J'aimais beaucoup ce titre. L'idée était assez originale. On avait beaucoup le point de vue de la victime, donc qui s'appelle Christine. Et on avait Servaz qui inquiétait en parallèle, mais Servaz était beaucoup plus en retrait. J'avais beaucoup aimé l'audio, j'en avais déjà écouté plus de la moitié même. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. Allez savoir, mais voilà, j'aimerais vraiment le continuer pour le terminer et me dire que voilà, je passe à autre chose. Ce sera le plus important. Voilà, ça fait un moment qu'il traîne et ça serait cool que je le termine. En fait, il y a eu une grosse passe où je n'écoutais plus d'audio, c'est pour ça que les Chevaliers d'Emeraude ont pris du temps. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté d'écouter des audios, j'ai arrêté de lire des graphiques, enfin des comics surtout, et donc du coup, certains titres se sont accumulés dans ma palle. Excusez-moi, je viens de voir un message, ça m'a fait sourire. Et je dois choisir aussi un titre que je voudrais lire, que je voudrais terminer pour le mois prochain. Pour ce mois-ci, c'est mon challenge que je vous avais présenté l'autre fois, là, 6 mois, 6 auteurs. J'hésite entre le Chardonneret et Rien ne t'efface. Le Chardonneret me fait peur parce que beaucoup de pages, Rien ne t'efface de Michel Buchet, on a beaucoup moins, mais j'ai peur de ne pas accrocher la plume, de toute façon, c'est vraiment des découvertes. Machin. Caro m'a dit qu'il était addictif, que je ne verrais pas les pages passer, mais c'est un beau bébé quand même, un très beau bébé. Donc on va voir, entre ces, sachant que dans ma palle, il me reste pour ce mois-ci le dernier tome de la croisade, du Jedi, la croisade noire du Jedi fou, et avec lui, on avait prévu de lire le Brandon Sanderson Yumi et le Printe là, et le Printe des cauchemars. Donc voilà, j'ai ces trois titres, je dois avoir encore trois titres dans ma palle pour la fin du mois. Donc j'ai un peu peur de me lancer dans celui-là et de pas en voir le bout en fait avant la fin du mois. Alors que celui-là, peut-être que ça peut se lire plus vite. Peut-être. Voilà, c'est mon petit détail, je peux aller vous le chercher. Hein, mais... Il n'était pas très loin, il est là. Voilà, le Yumi, le peintre. C'était juste à côté. J'ai vu les illustrations parce que j'ai pu feuilleter l'autre fois quand on était à la FNAC avec ma mère. J'ai pu feuilleter le hardback, les illustrations sont sublimes. Mais voilà, Yumi est le peintre de cauchemar. Donc voilà. Donc ça, c'est sûr, il va être lu. J'aimerais aussi évidemment lire le dernier tome de la saga. Ah, tout est tombé. Le dernier tome de la saga. Est-ce qu'aucun livre a été blessé pendant cette opération? Non, aucun livre n'a été blessé. C'est mes deux titres que j'avais acheté en boucle qui traînaient là. Donc voilà, j'aimerais lire ça et lire un de ces deux-là en papier évidemment en lecture et en audio. Faire ces deux-là. Voilà, c'est mon petit challenge perso. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas. J'ai appris un rythme assez intéressant. J'espère reprendre aussi un bon rythme là sur Insta là, les prochaines semaines là, continuer à avoir ce rythme. En fait, j'aimerais en septembre. Déjà, j'ai changé la manière que je faisais mes chroniques là depuis la semaine dernière. Donc, il y a deux semaines. J'ai changé mon manière de rédiger mes chroniques, donc j'aime beaucoup plus la manière dont je les rédige. J'aimerais refaire des stories aussi sur Insta une fois par semaine, voilà, vous parler un peu de mes lectures et tout, même si j'ai peur que ça fasse répétitif avec les vlogs. Ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais quoi? Je veux beaucoup de choses dans la vie. Mais là, je me souviens plus. Oui, et je voulais aussi commencer... Voilà, à faire, par exemple, présenter ma palle de septembre. Et en plus, je pense qu'à chaque fin de mois, je vous ferai choisir un titre de ma palle parmi trois titres. Voilà, que sur trois titres que j'hésite. En tout, je ferai une palle de 10 titres. Et il y en aura 9 que j'aurai choisi moi. En gros, je fais un livre au hasard et je laisse Livradic me sortir des livres au hasard. Et je choisis parmi ces titres au hasard qui me sortent lequel me plaît le plus. Il m'en sort un et je me dis oui, non, ou si, voilà, donc comment ça. Et je fais trois thrillers, trois fantasy
et 3 SF, et sachant que de toute façon, il y en a un fantasy qui est forcément pris par ça, les Chevaliers d'Émeraude. J'avais prévu quoi d'ailleurs? Ah oui, j'ai prévu le Trône de Fer dans 6 mois, 6 auteurs en septembre. Le gars, il prévoit le Trône de Fer qui fait quasi 1000 pages en septembre. Heureusement que j'ai une semaine de vacances. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc du coup, en fait, donc ça y est, j'ai choisi 9 titres hein, avec Livre Addict et tout. Et après, j'ai mis 3 titres, donc un de SF, un de fantasy et un thriller. Du coup, que je vais vous faire sélectionner sur Insta en sondage parmi ces 3 titres. Et voilà, ce sera plutôt pas mal. Je pense que je vous ferai le sondage. Je réfléchis quand est-ce que je pourrais le faire. Mardi prochain, par exemple. Mardi prochain, je pense que je vous ferai le sondage sur Insta par rapport à ce niveau-là. Mercredi, je vous ferai le sondage ensuite sur mes. Ah ouais, ça fait 2 sondages de suite, ça fait chiant, quoi. Le gars qui est relou. Bon, après, c'est une fois par mois. Je crois que, attendez. Le 1er septembre, dont un vendredi. Donc au pire, je vous fais vendredi le sondage. Pas mal. Vendredi, je vous fais le sondage de ma palle. Et voilà. Voilà. Bon, bah écoutez. Je vais vous laisser. Je vais retourner à ma lecture du Reflet Brisé. Et je vous souhaite tous une bonne semaine. Et merci pour le visionnage. Et à plus tard. Bye.